Coucou mes chers balances, j'espère que vous allez bien. On passe à votre tirage. Vous êtes les deux, vous êtes le dernier avec les Gémeaux pour le mois de mars. Donc j'ai choisi ce mois-ci pour ce mois-ci l'oracle de la triade pour l'aspect général de votre signe pour le mois de mars. Il y a Béline pour la finance professionnelle, d'accord? Tout l'aspect financier et enfin les 77 d'Aliaské pour toutes les questions, les messages, relations sentimentales, relations sociales, etc. Voilà pour les sentiments et l'amour. On commence alors avec l'oracle de la triade. Attendez, je le mets comme ça, plus à l'aise. Pour les balances, on y va avec les balances. Avec l'oracle de la triade, quel est le message pour... Et la clé, solution. Là, une solution qui se présente, une ouverture ou une nouvelle maison, un nouvel appart, la clé d'une voiture, une nouvelle voiture. Pour les balances, coupe. Épreuve, pénitence. Bah, y a des difficultés à surmonter, hein, à dépasser, des difficultés qui vous pèsent, hein, qui vous portez depuis un moment. Et peut-être aussi au mois de mars, d'autres problèmes ou des problèmes nouveaux, hein, qui peuvent se ressurgir ou qui reviennent en fait. Quelque chose du passé qui revient, d'accord? Qui revient dans que des soucis qui reviennent au mois de mars ou que vous ça vous pèse depuis un moment et que cela a envie de vous libérer, d'accord? Mais il y a vraiment des pensées douloureuses qui reviennent au mois de mars. Peut-être aussi par rapport à des épreuves du passé, hein. Vous avez le sentiment de ne pas vous en sortir. Alors, pour le mois de mars, les balances. Les balances. Aussi, ce que j'ai comme message là qui vient, c'est la fuite. Envie de tourner tourner le dos aux épreuves, aux difficultés. Vraiment de tourner le dos. Une fuite, une sorte de fuite. La carte centrale pour les balances, on va voir pour le mois de mars, prière. Ah, par rapport à ces difficultés, il y a un refuge. Refuge, c'est dans la prière, dans la foi, dans l'espérance. D'espérer vraiment l'aide divine ou de faire appel à l'aide divine. Naissance. Et on renaît, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qui va naître en fait au mois de mars ou une nouvelle opportunité qui se présente. Un nouveau démarrage. L'âme, vous voyez, la prière, naissance, et le fait de tourner le dos à ces difficultés, bah, vous faites face à autre chose de votre côté positif en fait. Vous vous orientez vers autre chose. Vous allez vous apercevoir en fait qu'il y a une autre solution. Richesse, la richesse de l'âme, l'abondance. Vous avez envie de partager des moments avec votre entourage, avec votre famille, avec vous-même, mais des moments de libération en fait, que
vous avez envie d'en profiter et de ne pas se lamenter sur son sort. D'accord? Là, je pense que c'est un renouveau qui va se manifester dans votre quotidien. La prière, c'est espérer faire évoluer les choses. Espérer d'alléger votre âme, espérer d'alléger votre vie et autour de vous aussi, ceux qui partagent votre vie. Apporter des soutiens matériels ou soutien mental en fait, un soutien de l'aide que vous allez vous mettre en place pour les autres ou on va vous apporter cette aide, cette richesse, cette affection aussi. La présence des autres sera riche d'émotions et riche d'expériences. Le sceau. Engagement. Ah, j'ai pu changer c'est la prière, elle est centrale. Un engagement, un contrat, un document important à signer ou que soit signé, soit déjà fait, que vous allez officialiser. De toute façon, il y a la présence d'un document important, soit c'est pour la naissance, peut-être un certificat de naissance, peut-être pour certains, c'est aussi ça parle de la naissance d'un enfant ou de l'adoption. La naissance, l'engagement, ça parle d'un engagement avec une nouvelle vie. D'accord? Là, on parle d'une nouvelle vie, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle démarche aussi, pour retrouver la paix, soit aussi vous retournez dans la foi, hein. Il y a un refuge dans la foi. Adversaire. Vous faites face à vos démons intérieurs, peut-être des habitudes néfastes, des influences négatives. L'adversaire, ça peut être comme j'ai dit, l'adversaire. Là, comme on parle de l'âme, on parle de renaissance. Là, il y a un choix de tourner le dos, on a vu, elle a tourné le dos aux épreuves, parce que peut-être certains d'entre vous, il y a une addiction à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, ou au sexe, ou voilà, il y a des mauvaises fréquentations. L'appel au divin, l'appel à votre foi, la prière, c'est de se préparer à cette nouvelle naissance de votre âme et combattre les démons, l'adversaire. Voyage, bénédiction, un voyage spirituel, un voyage aussi, un départ, partir. La naissance aussi, ça parle d'un renouveau par rapport à un déménagement. C'est possible aussi par rapport à un transfert. Un transfert qui vous apporte vraiment la paix. Là, on voit hein, l'âme, prière et bénédiction. C'est une bonne chose qui va vous arriver. Une bonne chose qui va vous arriver grâce au soutien de votre ange ou de votre divin en fait. Ce qui est un appel profond de vous de faire changer les choses. Et là, cet appel va être entendu. Une bénédiction là. On vous apporte ce soutien.
Parce que grâce aussi à la richesse de votre âme, âme, richesse. Il y a du vrai dans ce que vous voulez faire. Il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur dans le changement. Ça vient du plus profond de vous, le fait de faire face à ces épreuves. Et ça va changer. Parce que vous avez envie aussi de partager. Partager, de donner. Il y a un don de soi aussi qui vient de vous. Il y a vraiment une transformation. Hein, une transformation, puisqu'on va voir la dernière, l'homme, l'action, l'homme, bénédiction, voyage. Il s'avère aussi peut-être là, retrouver un homme. Ou si vous êtes l'homme, vous vous retrouvez sur votre chemin de vie. On vous apporte le soutien pour vous guider. La main, elle vous guidera. Il y a un signe. Il y a une observation, on vous observe. On vous guidera. Se peut aussi, on parle d'un adversaire, un masculin. C'est possible. Ouais. Un autre message, on parle d'un l'adversaire, ça concerne un conflit matériel. La naissance, sceau, voyage, un engagement ailleurs. Vous serez amené à vous déplacer, à déménager. La prière vous aidera. L'écoute de votre âme, l'écoute de votre... L'écoute aussi de l'appel de Dieu vers ça dépend, c'est quelle que soit votre religion, Dieu, c'est le divin en fait, c'est l'univers. Voilà, selon votre foi, il y a une force divine qui vous guidera vers ce chemin de liberté, vers ce chemin de libération. Prière, naissance, l'homme. Ça peut parler vraiment particulièrement à un homme aussi, l'action avec un homme. Cet homme-là, il voit une autre direction. Une autre direction qui se dessine dans son mental. Alors là, il met en place un plan d'action. Un plan d'action, parce que là, ici, vous voyez là, avec les axes, hein, on voit l'infini, l'infini, moins l'infini plus l'infini, et l'alpha. Donc il y a une stratégie à mettre en place là, pour débuter ce nouveau. Ce nouveau challenge en fait. Ce nouveau challenge de vigne. Bon, je m'arrête là. C'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a vraiment un nouveau challenge. Un nouveau défi. On passe à Béline pour le professionnel, les revenus, l'argent, le financier. Le matériel, la vie matérielle. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous, mes chers balances? Allez, on fait la coupe. Union et pensée amitié. Vous voyez, là, il y a un engagement. Un engagement peut-être avec des amis ou avec un ami. Un engagement, peut-être un collègue, il se transforme en ami. Hein? Il y a une forte relation amicale avec un collègue ou une collègue. Quelqu'un qui vous veut du bien dans le travail.
9 cartes pour Béline. Je mets de la place pour les cartes là. J'ai besoin encore deux cartes. Encore deux cartes pour les balances pour le mois de mars. On commence par la carte centrale, le centre de votre énergie au niveau travail. Élévation, très belle carte. Vous vous sentez en phase avec ce que vous faites. Vous êtes satisfait et envie de progresser, d'évoluer. Et alors, là, voilà, il y a le... Ce challenge, il est aussi... présent dans votre vie professionnelle ou financière. Envie de vous battre pour arriver à un niveau plus élevé ou gagner plus ou voilà, gagner en échelon. L'étoile de la femme. L'intuition féminine, l'intuition, le côté féminin, la sensibilité, la créativité. Le partage, l'émotion, vous voyez là ça va rentrer, ça va être un paramètre très important dans le professionnel, ça vous aidera dans cette élévation. Donc si vous êtes l'homme, c'est que votre côté féminin, il y a le yin et le yang. Si vous êtes la femme, bah, faites confiance, et vous aussi l'homme, faites confiance à votre, à vos idées créatives et votre intuition aussi. On parle de santé, campagne santé, de développer une activité à la campagne. Si vous êtes déjà dans cet environnement de la campagne, ben peut-être il y a une activité qui est une promesse de réussite. La santé aussi... ça parle de prendre du repos, voilà, souffler, faire des pauses, prendre du temps loin de l'activité, loin de la, bah, de la turbulence des villes, si vous êtes en ville. Pensez à prendre soin de votre santé pour le travail. Peut-être vous travaillez beaucoup et vous oubliez de vous reposer. L'étoile de la femme campagne aussi, ben voilà, c'est une créativité, je sens pour certains, de mettre en place une activité peut-être dans les herboristes. Vous voyez là, des activités liées à la santé. Hein. Il y a de quoi développer, hein. Ça marche de plus en plus. Famille. Retrouver la famille. Retrouver la famille pour développer une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous voyez l'étoile. Ça vous guidera aussi vers ce secteur-là. Santé, campagne. Peut-être en campagne aussi, tout ce qui est bio, hein, biologique. Et en famille, reprendre une activité ou un terrain. Peut-être agricole en famille. Hein. Là, ça va vous apporter l'idée, peut-être en partant visiter la famille, il y aura émergence de cette idée. Puis la famille aussi, elle vous soutient. Hein. Les membres de la famille vous soutiennent. Hein. La famille, elle est là pour vous aider, pour développer quelque chose. Si vous êtes salarié, peut-être vous êtes concerné par le domaine de la campagne, santé, famille, voyez, pour jardin d'enfants, éducation, voilà, il y a plein d'activités dans ce domaine-là. Aussi, ça parle, si vous êtes salarié,
On parle aussi de réconcilier en fait entre la vie de famille et votre travail. Trouver du temps libre pour votre famille, pour partager des choses. Hein. Il y a plein de messages. Bonheur, il y a du partage, hein. Il y a des choses à faire, des choses à partager, des moments de retrouvailles, hein, voilà, de s'éloigner. Bah, le travail, là, pas mal, bonheur. Bonheur retrouvé en famille, en travail en famille. Découverte, on découvre des choses, vous voyez là, il y a une découverte. Le fait de s'éloigner, on découvre une idée ou une recherche à faire dans ce secteur. Pour certains, si vous êtes dans le... vous hésitez, ben c'est le moment, peut-être au mois de mars, on vous appelle. Ah ben oui, c'est le printemps et tout. Donc les choses seront plus claires. La terre, elle commence à se réveiller et ça réveille aussi l'esprit. Donc serait en connexion avec la nature et la campagne et la famille. En fait, le cerveau, il sera actif, il sera en alerte. Et il vous donnera peut-être, oui, communiquer, il vous communiquerait, communiquerait avec la nature. Il sera en communication avec vous. Hein. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Edmond. Edmond, si ça vous dit. J'ai été attirée par ce nom, ce mot. Le hasard, je vous ai dit. Pour certains, il va y avoir vraiment un hasard. Suite à un petit escapade en famille, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous surprendre. Et vous allez aussi surprendre les autres. La destinée, c'est votre destin. Oh, j'adore. Là, ça m'intrigue, vous me direz, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, il y a un destin qui sera vraiment déclenché au niveau de travail, de changer en fait, il y a un changement maintenant qui sera en rapport avec ce que j'ai dit, ces éléments-là. Et vous allez découvrir que c'est la voie à prendre. C'est votre chemin de vie, de sagesse. Vous voyez, destin, le hasard. Ce bel hasard va vous guider. De toute façon, on a dit là, il y a un voyage, il y a la prière, il y a des messages de l'âme, il y a l'âme. Peut-être la famille, un esprit, voilà, l'esprit d'un parent. Élévation en campagne, hein, la destinée. La découverte d'un trésor peut-être un don, soit c'est une activité, ou la découverte d'un projet qui n'a pas eu lieu. Vous voyez, il y a une idée qui était restée en stand-by et que vous allez reprendre. Peut-être, voilà, ça peut être aussi dans ce contexte-là, hein, par hasard. Et le fait d'en parler en famille, ça va déclencher cette idée-là. Et vous allez dire, ah, ben oui, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ça, c'est un message particulier. Sinon, bon, la carte centrale, élévation, il n'y a pas de carte néfaste. Donc, dans le projet professionnel, tout va bien. D'accord? Et là, écoutez votre intuition, votre cœur, provoquer le destin aussi. Hein. Parce que je pense qu'il y aura une occasion à saisir. Hein. Un appel, une occasion à saisir. On passe à l'amour. Ce
77 d'Aliesque et le relation sentimentale, sociale, qui dit, avec 77 d'Aliesque. C'est mettre de la place. Alors, 9 cartes. Voilà, du plaisir à partager. Envie de se faire plaisir. Bon, il y a l'envie de faire plaisir, mais on hésite aussi en même temps. Peut-être une invitation, on ne sait pas, oui ou non. Hein, une invitation à boire un apéro quelque part, à partager un dîner. On est hésitant. On hésite. Je ne sais pas pourquoi. Ou la personne hésite. Ça, c'est vous. Oui, ça saute pour vous, les balances, par rapport à une coupure. Voilà, ça explique. Si c'est il y a un éloignement et que bah ça se réveille, il se réveille ou elle se réveille pour vous inviter ou faire la paix, bah, vous vous posez des questions. C'est normal, vous hésitez, vous savez pas pourquoi, dans quel vous vous doutez en fait de la franchise de cette personne. Alors là. Campagne, l'arbre, vous voyez là, ça il y a des discussions, des échanges, des dialogues où on arrive peut-être le fait de s'éloigner de votre quotidien. Si vous êtes en couple, ben, il y a la possibilité de bien communiquer. Il y a une communication plus fluide, plus transparente avec votre conjoint. S'il y a eu une dispute et que un éloignement où chacun est pris par son travail, par la routine en fait quotidienne avec les enfants, avec et le fait de s'éloigner, de prendre du temps pour vous deux. Parce que là aussi l'arbre ça parle de la famille, de l'enracinement, de quelque chose de solide, hein, d'équilibré, et ça va permettre d'éclaircir peut-être certains points. On peut parler aussi d'une nouvelle communication, d'un nouvel échange avec, si vous êtes célibataire, on parle d'une communication avec quelqu'un riche et fiable. Je veux bien étaler toutes les cartes parce que des fois elles sont cachées. Alors, balance. Mois de mars. Balance. Mois de mars. Balance. Mois de mars. Les balances. Mois de mars. Balance. 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 Je la garde. Hop. Et les deux dernières. Et voilà. Je dois brancher mon PC, sinon il va couper. Vite. Alors, la carte centrale, comme d'hab. Pour l'énergie globale des sentiments. De la situation amoureuse ou sociale. Ouverture. Ouverture du cœur, ouverture de l'esprit. Voilà, une ouverture à une proposition. Donc on laisse la porte ouverte ou on accepte d'ouvrir cette porte. Bon, on reviendra, ça dépend des. On vous offre. Cette opportunité. La protection contre un mauvais œil. Donc vous êtes protégé, franchement vous êtes protégé. De toute façon vous avez vu, il y a l'œil, cette bénédiction, vous êtes protégé, on l'a vu par aussi, j'ai dit, par vos ancêtres, par un que. Donc si
On essaye de vous nuire, ou une jalousie, hein? Une jalousie de quelqu'un. Un mauvais œil. L'œil, bénédiction. Un début. On est jaloux d'un début de votre histoire, hein? Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Il y a la protection, elle est là. Vous faites, protégez-vous. D'accord? Parce qu'il y a l'ouverture, autre chose. Parce que vous avez 68. Communication, elle revient. C'est important de communiquer, d'échanger. Hein? D'échanger ses peurs, ses rêves, ses envies, ses besoins. Mais pas dans un seul sens. Hein? Écoutez l'autre aussi. D'accord? Soyez ouvert à cette écoute, écoute attentive, écoute intelligente, d'accord? Et ouverture d'esprit. Le masque, donc voilà, mais c'est ça, il faut pas se cacher, hein. Il faut pas donner une image de pour plaire, juste pour plaire, pour faire, bah, voilà, pour être accepté, soyez vous-même. Mais tout en respectant l'autre, hein, d'être ouverte à cette à ce nouveau visage, hein. Signature, vous voyez, il y a un engagement là, excellent. On s'engage dans cette nouvelle relation saine, solide, ou si vous êtes déjà en relation, ben, on dit pour vous là que c'est c'est du sérieux. Mais voilà, attention de ne pas aussi faire confiance aux personnes qui vous jalousent et qui peuvent perturber la relation. Hein, parce que là, je pense qu'il y a un début aussi d'une personne par jalousie ou par... par méchanceté, tout simplement, hein, à dire des choses contraignantes ou qui vous mènent dans le doute, en fait, hein, pour vous mener dans le doute, pour vous mettre dans une position de questionnement ou de non-confiance dans la personne, dans cette relation. Donc, là, s'il y a un début... d'échange bizarre d'une personne que vous croyez proche, hein, je ne sais pas, après à vous de voir, mais voilà, il y a une personne mauvaise. Et la dernière, bah voilà, vous voyez pourquoi j'ai dit la personne est mauvaise, parce que elle est arrivée à ce petit ce sentiment d'incertitude, hein, on est perdu. Une ouverture, il y a une protection. Vous allez démasquer aussi peut-être à un certain moment la personne, mais bon. Là, il y a vraiment un manque de certitude, hein, ou une peur de vous engager aussi, hein. Parle de nouveau aussi, nouvelle rencontre, hein, qui a commencé par des échanges de tout téléphone ou rencontrés récemment, et vous n'arrivez pas à cerner le personnage. C'est pour ça que ça vous met dans le doute, hein. Mais bon, on parle de peut-être attendre que la personne s'ouvre grâce à vos échanges, vous encouragez la personne. Bon, je reprends parce que j'étais obligée de partir ouvrir la porte, hein. Bon, j'ai fini avec de toute façon, j'ai fini, hein. Voilà, on passe à la carte conseil pour les balances pour le mois de mars. Ouf,
je suis soufflée. Le... Et voilà. Alors, il y a du nouveau. Vous voyez, il y a du nouveau. Renouveau dans votre vie. La naissance, vous renaissez. Comme vous renaissez. Vous voyez là, on jette le tout ce qui est mauvais. Tout ce qui vous tracasse, qui ne correspond pas à vos besoins, à vos rêves, à votre situation. D'accord, on se débarrasse là, hein, le gros cube. Radiant Vitality Field. Voilà, vous radiez, vous êtes optimiste et confiant dans l'avenir. On jette, on se débarrasse des épreuves, des adversaires, de l'adversité, des conflits. On jette tout ce qui est néfaste, d'accord, à votre vie. Voilà, mes chers balances. Je vous dis merci. Bah pour les nouveaux, bienvenue, abonnez-vous, hein, il y a la clochette tout en bas pour déclencher la notification, pour être alerté pour la prochaine fois. Bah, commentez et likez, voilà. Merci, ciao, bye, à la prochaine. Oh, il y a le... J'arrête.